tous sur la chaîne du Master Focal. Nous sommes Marie et Gwen et aujourd'hui nous allons vous parler de l'utilisation d'une cire d'origine végétale. Une cire est une substance cassante à froid et malléable à chaud. Elle est insoluble dans l'eau et soluble dans certains solvants organiques. Elle est composée majoritairement de lipides apolaires à longue chaîne. Leur origine peut être naturelle ou artificielle. Dans les cires artificielles, on retrouve par exemple les paraffines issues de la synthèse de Fischer-Tropsch. Et pour les cires naturelles, il y a les cires minérales provenant de distillation du pétrole brut et les cires animales ou végétales comme la cire de candelilla ou la cire d'abeille. Concernant notre matière première, nous avons d'abord réalisé plusieurs analyses pour en déterminer ses caractéristiques. Donc une analyse thermogravimétrique, une chromatographie gazeuse et liquide. Et ceci nous a permis de la classer comme cire. Avec cette cire, nous avons réalisé deux produits, un shampoing solide et un savon. Pour réaliser le shampoing solide, nous avons d'abord réalisé plusieurs essais de shampoing solide sans notre matière première. Pour cela, on chauffe d'abord la phase grasse, donc beurre, huile et cire, puis à froid, on mélange le tensioactif solide, ainsi que le parfum et le tocopherol. Après avoir obtenu un shampoing solide qui nous convenait, on a remplacé la cire par notre matière première. Pour le savon, on a d'abord réalisé la saponification à chaud de notre cire, et on a obtenu un savon moussant pour les mains. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt sur la chaîne du Master Focal.